Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 3 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Mélusina, troisième course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 6 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Lors de cette épreuve européenne parisienne portant le label Course D, les visiteurs auront donc droit de concourir contre les Français. Sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, départ donné à l'aide de l'autostart, il ne devrait y avoir aucun temps mort puisque beaucoup trouvent une belle occasion d'enlever leur événement. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 10, Ibra Boko. Jean-Michel Bazire l'aime beaucoup et le confie à Éric Raffin dans l'espoir qu'il gagne son Quintée Plus. Avec le 10 à la corde en deuxième ligne, tout sera une question de parcours pour son résultat final aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 5, Fils de Fort. N'ayant pas été très chanceux dernièrement, son driver apprenti ayant tout sur une main, il retrouve Charles Bigeon et est déféré des quatre pieds dans l'espoir de renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, FaceTime. Désormais sous la responsabilité d'un certain Mathieu Abrivard, s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, il peut renouer avec les bonnes performances. En quatrième position viendra le numéro 2, Flash de Veni. Sa dernière tentative victorieuse est tout simplement excellente et comme Sébastien Arnaud est un homme habile, il convient de le retenir en très haut rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Onas Nuga. Björn Goop l'aime bien et trouve que sa dernière tentative est bonne et lui confère une toute première chance aujourd'hui. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Zeus Teka. Fabrice Soulois est un homme adroit avec les chevaux d'origine étrangère et comme il fait appel au service de Johan Le Bourgeois, il faut y voir un signe. En avant-dernier choix, le numéro 1, Falco Sacha. Déféré des quatre pieds et piloté par Alex Abrivard, s'il fait sa meilleure valeur, il doit terminer dans les places payées. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Zafiro Jet. Deuxième atout de la maison Soulois, il sera lui drivé par un certain David Thomas. Ayant hérité du numéro 3 derrière la voiture, il compte bien en profiter pour jouer un rôle à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 4, Fabago du Gers, présenté par le jeune et talentueux Nicolas Bazire, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Turf Sélection fait sauter la banque en indiquant tiercé de 113 euros, quarté de 205 euros, sans oublier le quintet dans le désordre, ce dernier affichant un rapport de 349 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP turf-fr.com.